quelle histoire ça? Tu es sorti ce jour, tu étais bien mal. C'est quoi? C'est quoi? Ça fait mal. Doucement. Arrête ça! Doucement. Edie, tu as même eu quoi? Je suis allé jouer au football tout à l'heure là avec les petits du quartier. Croyais même que tu as même eu l'accident. Allez le pied. Aïe aïe aïe. Ah oh. Allez le pied. Tu joues avec les enfants. Tu as 12 ans. Tu me donnes la honte au quartier. Bé, reviens me masser non s'il te plaît. Ça, Bé. Chou, s'il te plaît, non, wow. Regarde dans quelle situation tu me mets. Pardon, laisse-moi. C'est quoi? Je suis d'abord fâchée, là. Ça fait 3 jours, il n'y a même pas à avoir le courant. Il n'y a pas le courant, ça fait 3 jours. Je t'ai dit qu'on déménage, on ne peut pas rester en ville. On quitte le village si tu refuses. Et s'il n'y a pas le courant, le problème, c'est lequel? Je vais regarder mes séries. Je passe tout le temps à la maison. Je fais quoi ici? Je fais quoi? Toi aussi, je ne peux pas aussi visionner. Si je ne peux pas visionner, je fais donc quoi ici dans la maison aussi? Je fais quoi d'autre? Jamais m'épouser quel genre de femme, non, Seigneur. Ça c'est même qu'un machin, ce nom. Hey. C'est même pour ça que tu mélanges tout à cause des séries. Attends. B, c'est quoi? Attends d'abord. Ouais, attends d'abord, non. C'est quoi? C'est quoi? C'est la guerre. Attends, je sais pas si le courant. Le courant. En tout cas, va vite regarder mon bébé. C'est venu. Waouh, waouh, waouh. Trois jours. Mais. Bébé. Ça, c'est que. Je ne comprends pas le village. Je t'ai dit qu'on déménage. 3 jours, je n'ai pas regardé mes séries. Oh. Bébé. Mais, Bé, qu'est-ce que tu fais? Je sens que je cherche mes séries. Oh. Tes séries à 16 heures? Je dois regarder la CIA TV. Il y a mon match de ligue professionnelle là. Oui, je dois regarder ça. Parce que le Coton Sport de Garoua joue contre les anciens. Ah, bon. Arrête ça. Arrête ça. Quoi? Le football vient faire quoi ici? Sans quel rapport avec mes séries? Et les séries viennent faire quoi là? J'ai dit, toi depuis que tu es dans ce pays là, tu as compris que le football paye ici là. Le football paye dans ce pays. Et toi, fais comment? Laisse-moi et toi. Voilà ton neveu qui est au quartier là-bas. Voilà ton neveu. Il a dit ici qu'il ne je veux aller à l'école, machin. On a payé les dossiers. Il dit qu'il veut jouer au football. Il est où maintenant? Il est où? Mais il s'entraîne. Il s'entraîne. Il s'entraîne où? Où? À Coton Sport. En tout cas, ne regarde pas les séries dans cette maison. Oui. Et c'est ce qui va se passer. Gigi, tu connais ce qui se passe là-bas? Tu regardes, madame, monsieur. Merde. Si tu la fille qu'on appelle pas là, dans madame et monsieur, la fille d'Embarga, la fille là souffre dans son foyer. Parfois, quand je regarde souvent le type là, j'ai envie de sortir son mari de là, mettre au sol, taper. C'est quand tu le vois, tu sens que c'est un bassin. Parce que je sens que ce sont les bassins qui traitent les femmes comme ça. Je te dis, le gars n'était rien quand ils se sont connus. Un simple professeur de l'université. Aujourd'hui, il est recteur. Qu'est-ce qu'il fait? Il veut prendre une autre femme. Ferme-moi ta bouche là vite. Donc parce que depuis là, je t'écoute, tu penses que je suis avec toi? Les séries ont déjà fait quoi dans cette maison? Tu vois, tu n'es pas différent du mari de passé. Tu n'es pas. Quand je dis que tu es limité, barbare, c'est le village. Parce que si tu marchais, si tu voyageais même, tu es limité. Il faut visionner, il faut lire. Pour comprendre, tu ne connais rien de la vie. Voilà, même l'école, tu n'as même pas fait. Rien. Je ne sais même pas pourquoi je suis. Je me trouve même où ici. On dit que l'amour rend aveugle. Chaque jour ici, je dors affamé. Pourtant, il y a la nourriture dans le congélateur. Mais tu n'arrives pas à préparer. Quand je te parle, tu me regardes. Tu as fait quoi, là? Ma fille Kengra, notre fille.
s'est brûlée récemment parce que tu regardais la série. Tu ne trouves pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta tête. Plus jamais ne me touche plus. Tu as failli brûler la maison l'autre jour. Plus, je vais me gâter. Parce que tu as confondu. Plus jamais. Oh, je peux te taper mal là maintenant. Eh. D'ailleurs, je m'en vais éteindre la télé là. Venez, quitte devant moi. Je ne quitte pas. Quitte devant je moi. Je ne quitte pas. Quitte là-bas parce que je peux te pas. Taper. Moi aussi. Si je te mets. Moi aussi là. Quitte là-bas. C'est pas parce que quand tu es venu me récupérer chez mon père, j'étais calme. C'est pas parce que j'étais calme. La petite fille que tu connaissais là, c'est fini. C'est fini. Tu m'apportes, je te montre. Tu connais mon père, non? Tu connais mes deux grands frères. Essaye. Comment la fille, si elle m'aime l'aide? Essaye. Tu me fais même pitié. Parce que si je mets ma main sur toi, je peux t'écraser. Elle a même le comportement de Mama G. Regarde-moi ça. Hey, tu connais Mama G? Attends. Tu regardes sur les séries. Si tu connaissais la mère qu'on appelle Mama G. Aïe! Ah! La femme là est méchante. Je n'ai plus jamais vu ça. Elle est internationale, la femme là. Tu as regardé ce film, tu as regardé où elle a tourné quand elle était en train de elle a tué son fils là. Hé! Hey! Quartier sorti. La femme là, je suis sûre qu'elle a même eu le prix pour le film là. La femme là, je suis sûre que même dans la vraie vie, elle est comme ça. Elle est méchante. Quand je regarde, si je croise la femme là un jour en route, elle va me connaître parce que le gens qu'elle a tué son enfant, ça m'a tellement touchée. Hey, tu connais, tu as vu foyer polygamique. Mamie Tong du Cameroun. La femme là est allée faire le remède. Attends, je te raconte. Ne m'étouffe pas. Hein. Elle a fait le remède pour pouvoir tuer sa belle-fille. Le fils, la femme. À son mari. Je te jure, B. Le jour là, elle calculait la fille. Mais tu sais qui elle a trouvé. Tu sais qui est ancré dans la maison là? Sa fille. Elle est devenue stérile. Elle est devenue stérile. Même à la mariage, elle ne peut pas partir en mariage. Tu sais quoi, Vanelle, bébé, tu sais. Ah, regarde ta télé. Je peux se marier. Madame, regarde ta télé. Regarde ta télé. Hey. Non, tu me gagnes. Merde. Parce que le temps que tu passes là à me raconter les trucs là, si tu pouvais même aller préparer comme ça, c'est comme nous sommes plus là. Allez, préparer, dis donc. Tu peux même aussi aller préparer, non? Parce que quand ça chauffe comme ça, la semaine, sinon, on ne vit même pas avec. Bonsoir. Bonsoir. Ton mari est là? Tu cherches mon mari? C'est ton ami. Je suis venu vous avertir à propos des choses que vous faites ici au quartier. Vous et vos chamaillements et vos querelles sans fin là. Et c'est toujours le vendredi soir, quand je vais déjà m'amouracher avec ma copine, que vous commencez votre sorcellerie là. Vous ne pouvez pas aller prendre une glace. Oh. Je dis, tu n'as pas de problème. Tu n'as pas ta vie. Tu sors de nulle part. Regarde, il y a le mur qui nous sépare. Tu es mon voisin. Tu as ta vie, tu t'occupes de tes problèmes. Comment tu quittes de chez toi, tu viens chez moi, pour, tu viens t'initier dans les problèmes de couple des autres. C'est quelle histoire ça? Tu es marié? Tu es marié? Tu sais pourquoi tu bavardes beaucoup comme ça? Hein? Pourquoi? C'est parce que le machin qui te sert de mari là-bas dedans, il ne te touche pas bien. C'est seulement ça qui te dérange. Et c'est toi qui peux me toucher. Tu es sûr? Regarde, tu sois avec ta vieille serviette. En tout cas, regarde, même le non, truc que non, tu dis là, je ne suis même pas regarde, avec on moi. Ne voit rien. Regarde comment tu es maigre. Tu ne sais même pas si tu manges. Ou c'est le truc que tu fumes chaque jour là qui te rend comme ça, je ne sais pas. Je suis sûre que même 12 kilos, tu ne. Si on te pèse, 12 kilos là, c'est même trop pour toi. Méfiez-vous souvent. Hein. Méfiez-vous souvent. En tout cas, moi, je suis un gars qui ne bavarde pas trop, j'agis. Je suis venu te montrer la convocation. J'espère que tu sais lire. Attends, la plainte pourquoi?
La plainte, pourquoi? J'ai pleuré mon mari, tu m'as porté la plainte. À la gendarmerie de la place. Quand je partais signer l'acte là-bas, tu étais avec moi. Je vous attends là-bas, on va s'expliquer votre sorcellerie que vous faites ici au quartier. C'est encore que les gens cherchent les familles pour épouser ça, pas en boîte de nuit. Le gars, s'il ne me connaît pas, renseigne-toi bien. Il faut dire à celui qui te sert de voisin là d'où je sors. De nulle part, tu viens me dicter les lois chez moi, tu m'apportes les plaintes. Regarde-moi le machin qui est en train de partir, avec une vieille serviette, je ne sais quoi. Où il a acheté ça? Là, ses yeux du bout, imbécile, chien. Reviens encore chez moi ici, je te lave la tête, ta calebasse te sert de tête là, chouane. N'importe quoi, reviens encore chez moi, malade.